Eh bien, salut à tous les amis, c'est Davy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors les amis, ne faites pas attention à mon skin, c'est le skin du jeu, j'y peux rien. C'est celui que j'ai choisi, je n'arrive plus à mettre mon skin d'origine. Qui est franchement joli, j'aime bien celui-là. Donc les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un jeu. D'ailleurs, je vais mettre le lien en barre d'infos. Je vais vous présenter un jeu. C'est un jeu de maison, enfin plutôt un jeu de ville. En gros, vous avez par exemple ici, vous avez la police, vous avez tout ce que vous voulez. C'est un peu comme le style de Brokavan. Je pense que tout le monde connaît Brokavan, c'est un jeu de ville aussi. Et de RP. Et ce jeu-là, c'est exactement la même chose que Brokavan. Mais ce jeu-là, je trouve qu'il bat un peu Brokavan. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que Brokavan. Donc ici, vous avez les urgences. Sur Brokavan, l'hôpital est beaucoup plus petit. Mais là, ça ressemble plus à un hôpital que Brokavan, je trouve. Après, vous avez quoi d'autre? Ici, vous avez une. Oui, c'est ça, une école. Vous avez une école, c'est plutôt sympa, moi je trouve. Vous avez même des boîtes de nuit, vous avez tout, les amis. Je dis pas le contraire, sur Brokavan, il y a aussi toutes ces choses-là. Mais j'ai plus une préférence sur ce jeu-là. Donc, vous avez aussi des voitures, mais vous avez des voitures qui sont, par exemple, payantes, comme l'hélicoptère, je trouve ça dommage, voilà, qui coûte quand même 300 Robux, enfin, pratiquement 300 Robux, mais vous avez le large choix de voitures. Regardez, vous avez quand même des voitures qui sont non payantes, mais on va pas se cacher que les voitures non payantes sont pourries à côté de ceux qui sont payantes. Voilà. Mais voilà. Et ma voiture préférée dans tous ces choix, c'est la voiture rouge. La voiture rouge, j'aime trop. Je la trouve, bah, on va dire jolie. Elle est plutôt jolie. Donc voilà, les amis, nous allons poser notre maison. Voilà, je vais vous faire voir aussi toutes les maisons que le jeu a dessus. Je vais vous faire voir toutes les maisons qu'on peut acheter, tout ça. Mais j'ai pas acheté de Game Pass, tout ça. Parce que, bah, comme je vous ai dit, les amis, j'ai plus de Robux, donc je peux plus faire grand-chose. Mais donc voilà. Donc voilà, les amis, toutes les maisons que le jeu possède. Quand vous voyez des diamants, ça veut dire bien évidemment que c'est payant, voilà. Vous pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas de Robux. Donc les diamants, ils sont compris avec les voitures plus les maisons de luxe. Donc moi, pour ma part, je vais choisir celle-ci. Celle-ci, c'est, je trouve que c'est la plus jolie de toutes les maisons qui sont gratuites. Elle est jolie, celle-là. Et donc voilà, ça commence. Donc vous pouvez rentrer, bah, dans votre maison normale. Et donc, vous pouvez aussi verrouiller la porte. Regardez, je clique sur la petite porte que vous voyez juste au-dessus. Enfin, normalement, vous la voyez. Je clique sur la porte. Vous pouvez aussi mettre un système d'alarme, les amis. C'est super, super cool. Activer le système d'alarme. Donc, ça veut dire que les amis, voilà la caméra de surveillance. Ça veut dire que les amis, si quelqu'un est devant votre porte ou à... Désolé les amis, ou si quelqu'un est devant votre porte d'entrée ou à l'intérieur de votre maison, vous serez tout de suite averti grâce à l'alarme que vous avez activée dans votre maison. Donc les amis, c'est tout, voilà. Ici, vous pouvez personnaliser en mettant un message en mettant devant votre maison. Par exemple, moi je vais mettre Davy juste ici. Je vais mettre Davy, voilà. Voilà. Donc là, c'est... Oh, désolé les amis, il y a des bugs dans le jeu, je ne comprends pas. Parfois, ça me fait ça, je pense que
Ça doit être un petit bug, ils vont peut-être réparer ça. Alors, comme vous voyez ici, là-haut, les amis, c'est marqué Davy. Je viens juste de le marquer. Je trouve ça super chouette. Vous pouvez aussi, bien sûr, fermer les rideaux, changer la couleur des murs, le plancher et la nuance. Enfin, il y a une large. Vous pouvez faire plusieurs choses, quoi. Vous faites plein de trucs. Voilà. Vous pouvez choisir les voitures, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Vous pouvez aussi, comme dans Brookhaven, vous avez plein d'objets, voilà, comme ça, qui sont super chouettes. Mais par contre, pour les armes, il n'y a pas beaucoup de choix en fait. Il n'y a pas d'armes à feu en fait, il y a juste des trucs pour tabasser les gens et tout. Enfin voilà. Ici, vous avez des gestes, voilà, comme sur Brookhaven. Ici, vous pouvez mettre un pseudo ou votre prénom ou n'importe. Vous pouvez le mettre au-dessus de votre tête, voilà, vous pouvez le personnaliser. Ici, vous pouvez choisir, par exemple, moi je suis youtubeur, voilà, vous pouvez choisir le logo youtubeur. Si vous voulez être agent de policier, vous pouvez, infirmier, vous pouvez. Enfin voilà, vous avez plein de choix, les amis. Donc voilà les amis, vous pouvez aussi choisir votre bébé, voilà. La couleur du tour du bébé aussi, ou voilà. Vous pouvez aussi choisir le teint de la peau du bébé. Un peu rouge, ça fait un peu bizarre, la tête rouge, mais bon. voilà, vous pouvez choisir aussi les émotions du visage du bébé. Voilà, vous avez plein de trucs les amis. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. C'était David, ciao!